Thor, celui de droite, c'est une espèce de légende, de choses qui peuvent être plus celtiques, etc. Donc les mythologies, ben, c'est une source d'inspiration. En fait, pour la fresque qui est derrière, c'était de sortir mon personnage habituel que je fais avec une marinière un peu dans ce genre-là, pour le faire avec des habits un peu que tout le monde peut reconnaître. Là, c'est des super-héros, donc je suppose que tout le monde reconnaît ces codes visuels-là. Donc voilà, j'avais envie de me les approprier pour moi aussi m'apporter un travail nouveau. Et c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une obsession autour de la notion d'accumulation et du minimal, au contraire. Et donc de la masse et de la fragilité, et de qu'est-ce que ça génère comme rapport avec l'humain. Et est-ce que c'est des rapports de lutte, est-ce que c'est des rapports de réconciliation, est-ce que c'est des rapports de chaos. Voilà, c'est autour de ça que j'ai composé ces images. Il n'y a pas un message à décoder dans ces œuvres, c'est des peintures, elles existent en tant que peinture, elles ont quelque chose à dire en tant que peinture, et pas forcément en tant que langage.